deuxième mi-temps. Mauvais jeu pour un joueur congolais. C'est Maïlé qui se plaint. Il se bat dans 6 jeux. Le Sénou Kanté. On va suivre le coup franc pour la RDP. Ah oui, Maïlé se plaint. Temps de repartir dans un duel au niveau de l'axe central. Mamadou Koulibaly battu par les Simbas de la République démocratique du Congo. Il s'en va peut-être pour l'inscrire au deuxième but de la partie. Les Simbas, le but. C'est le chaos total. Chabani Londa renvoie les éléphants à la maison à la 21e minute de jeu. Merci tout le public congolais qui était derrière nous. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. 2 mars 2002, 2 mars 2021, ça fait exactement 19 ans que nous a quitté l'international congolais Jason Mayele. Jason Mayele, d'heureuse mémoire, et Jason Mayele est le souvenir d'un des meilleurs joueurs que la République démocratique du Congo ait connu, lui qui avait en tout cas ensoleillé les stades sous les couleurs en tout cas de la République démocratique du Congo au nom de Simba. Né un certain 4 janvier 1996 à Kinshasa, Jason Mayele, le natif de la commune de Ngiringiri, va rejoindre la France en 1985. Mais la pratique du sport commencera pour lui d'abord sur les rings de boxe avant de pratiquer le football où il a eu à éclore sous la responsabilité de Roger Fleury d'abord, puis en passant par les principes exigeants de Victor Zvonka à Châteauroux, hein, nous sommes toujours en France. Il passera 6 saisons sous le maillot bleu et rouge de 93 à 99 avant de rejoindre l'Italie où à Cagliari il retrouve un ancien de la France, hein, Patrick Mboma. Dès la saison 96-94, à 17 ans, il participe à 25 matchs et inscrit 5 buts en D2. En 95, il joue 22 rencontres, inscrit 4 buts avant de se montrer le plus prolifique dans la saison 95-96 avec 8 réalisations en 30 matchs. Puis en 96-97, l'année de la montée, il joue 31 matchs et marque 7 buts pour la Berry. L'année de
de la D1 en 97-98, Jason participe à 27 matchs et inscrit 4 nouveaux buts comme lors de sa dernière saison à Châteauroux. Il est transféré ensuite à Chievo Vérone, hein, club où il va jouer jusqu'à la fin de sa vie. Et au niveau de Chievo Vérone, c'était en janvier 2002 dont il ne portera le maillot qu'à 10 reprises malheureusement. Mais en mars 2002, alors qu'il vient de disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Mali avec les Simba de la République démocratique du Congo, Jason Mayele décède dans un accident de voiture. C'était le 2 mars 2002 matin et Jason Mayele quitte son domicile après avoir fait un acte de présence à un deuil d'un ami organisé sur place et se rend au terrain d'entraînement car ce week-end-là, son club Chievo Vérone doit en découdre avec Parme. Dès 8h du matin, il est au volant de sa voiture qu'il conduit depuis de longs mois et dont il maîtrise tous les mécanismes. À 8h15, dans un virage, sa voiture dérape, quitte la bande droite et heurte de plein fouet une autre voiture qui venait dans l'autre sens à la sortie d'un petit village de campagne appelé Apazengo. Les deux occupants de la voiture qui venait dans le sens inverse n'ont pas eu de la chance. La femme qui conduisait l'autre voiture meurt sous le coup tandis que l'homme qui était au volant est grièvement blessé. Pour sa part, Jason Mayele se trouve dans un état piteux. Informé, la direction de Chievo Vérone envoie un hélicoptère afin de l'évacuer pour la polyclinique du club où le médecin de l'équipe se trouvait déjà. Peine perdue car quelques instants seulement après son arrivée à la polyclinique, Jason Mayele rendit l'âme. Paix à son âme, DMTV se souvient d'un international congolais qui avait l'amour de la patrie et qui répondait en tout cas à l'invitation des Léopards de la République démocratique du Congo à chaque fois que celle-ci lui était adressée. Un joueur pétri de talent, le Ronaldinho congolais, il n'y a pas beaucoup de bons dribbleurs que la République démocratique du Congo ait connu et croyez-moi, Jason Mayele figure en tout cas parmi les meilleurs. DMTV se souvient de ce joueur qui souhaitait en tout cas construire une très belle équipe des Léopards et surtout amener les Léopards au sommet de l'Afrique après les 2 trophées que nous avons eu à remporter. C'était en 1968 et en 1974, la République démocratique du Congo n'a plus remporté aucun trophée. Jason Mayele avait à cœur, en tout cas, de permettre à la RDC de remporter son énième trophée. Malheureusement, il ne sera pas allé au bout de ses pensées. Il est décédé trop tôt à la fleur d'âge. Chievo Vérone Latino-America n'a pas oublié l'international congolais. A publié sur sa page Facebook il y a quelques heures. Aujourd'hui, les Cliviens se souviennent d'un an de plus du départ de Jason Mayele qui a perdu la vie dans un accident de voiture il y a 19 ans. Tragédie dans laquelle a aussi perdu la vie Luigina, conductrice de l'autre voiture. Jason, les Cliviens ne t'oublieront jamais. Effectivement, Jason Mayele qui a marqué les esprits non seulement des supporters de Chievo Vérone, mais a marqué également les esprits des nombreux fanatiques des Léopards de la République démocratique du Congo qui fondaient en tout cas beaucoup d'espoir sur ce joueur en espérant qu'ensemble avec d'autres internationaux congolais tels que l'Oman à Loualoa, tel que Chabani Nonda, qu'il pouvait en tout cas conduire la République démocratique du Congo au sommet de l'Afrique. Mais cela n'est pas arrivé puisque Jason Mayele, après sa dernière participation à une Coupe d'Afrique des Nations, c'était au Mali 2002. Jason Mayele nous a quittés suite à cet accident de circulation. DMTV se souvient de ce joueur, se souvient de cet international congolais et nous sommes convaincus que vous aussi qui nous suivez, vous ne l'avez pas oublié. Jason
Jason Mayele qui a inspiré beaucoup de jeunes Congolais et de par son caractère, de par sa manière en tout cas d'évoluer sur le terrain. Et nous espérons qu'un jour nous aurons encore d'autres Jason Mayele. Pourtant, c'est un natif de la commune de Ngiri Ngiri qui a joué comme tous les enfants de cette commune-là sur le terrain Bondo, que ceux qui sont en tout cas dans la commune de Ngiri Ngiri connaissent très bien. Ensuite, Jason Mayele s'était envolé en tout cas pour l'Europe en passant par la France, puis il a rejoint l'Italie où il évoluait très bien. Les Congolais étaient très fiers de le voir évoluer en tout cas dans le championnat d'Italie de première division au Calcio. Et quand Jason Mayele revenait au pays, c'était en tout cas l'occasion pour plusieurs de ses fanatiques en tout cas de lui témoigner leur soutien. Merci à vous qui nous avez suivis. 2 mars 2002, 2 mars 2021, journée triste, hein, 19 ans, nous commémorons en tout cas le départ de Jason Mayele dans l'au-delà, mais ceci nous permet aussi de nous rappeler de ses bons souvenirs, de ses belles prestations avec les Léopards de la République démocratique du Congo malgré des conditions difficiles de l'époque. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, vous avez une opinion à partager avec nous par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas, une fois abonné, d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.